Nous avons 78 propositions qui ont été mises en ligne sur un site web, mais on va dire pour donner quelques propositions fortes, des propositions pour l'emploi, avec des aides à l'élaboration de scopes pour les salariés, à la fois comme reprise de leur entreprise ou de leur de la transmission d'une entreprise, des mesures sociales, par exemple faire en sorte de réduire encore le coût des études pour les jeunes, ou des mesures sur les transports en commun où on veut aller vers des baisses tarifaires pour les transports en commun régionaux, et pourquoi pas cheminer avec l'aide de l'État et de l'Europe vers la gratuité des transports en commun.